Good morgen, allez, Iden, les tu seras aujourd'hui le Inishmat, le Sharon Ben Fortune Mazal, Claude Yitzhak Ben Fortune Mazal, Shimon Ben Eléo Vekuka et Rachel Batsara. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions à Masechet Beitza, Perek He, Mishnah Zain, la dernière Mishnah de la Masechet, avec un sion pour aujourd'hui, Bezat Hashem. Mishazimen Etzlo Orchim, Lo Yolichu Beyadam Manot, Ela Imken Zikalahem Manotehem, Me'erev Yom Tov. אין משכין ושוחטין את המדבריות, אבל משכין ושוחטין את הביתות. אלו הן ביתות, עלנות בעיר. מדבריות, עלנות באפר. Deux sujets dans notre Mishnah. Tout d'abord, le premier, c'est en rapport avec toutes les lois qu'on a apprises dans la Mishnah précédente, à savoir les lois de Hérouf par rapport à Yom Tov. Pour rappel, à Shabbat Yom Tov, je n'ai le droit de marcher, je dois rester dans ma ville, je n'ai pas le droit de partir à l'extérieur. J'ai le droit de sortir de la ville jusqu'à 2000 amas, le Trom Shabbat, 2000 au nord ou au sud. J'ai la possibilité maintenant de prendre les 2000 du sud et de les mettre tout au nord, comme ça j'ai 4000 au nord, et dans ce cas-là je ne vais plus au sud bien sûr, c'est-à-dire je ne sors plus de la ville en direction du sud. Ça c'est que j'ai fait un Hérouv. Donc du coup maintenant on se retrouve dans une situation originale à Yom Tov, particulièrement, parce qu'en fait, si moi j'ai fait un Hérouv, mais pour pouvoir partir là-bas j'ai envie de prendre un objet qui appartient à mon voisin qui n'a pas fait un Hérouv. Eh bien, l'objet, il est défini selon le voisin, pas selon moi, parce qu'à l'entrée du Yom Tov, ça appartenait à lui et pas à moi. Donc, imaginez que je lui ai pris, j'ai voulu faire des sandwichs pour pouvoir partir. Chez Yom Tov, on a le droit de porter. J'ai voulu partir jusqu'à 4000 amas en dehors de ma ville, là-bas, j'arrive à une autre ville même en plus. Et j'avais prévu de faire des sandwichs et j'avais besoin de tomates pour faire des bons sandwichs. Et j'avais plus de tomates à la maison, je pensais de prendre une tomate chez mon voisin. Eh bien, je ne pourrais pas prendre cette tomate et la mettre en rondelle dans mon sandwich, parce que les tomates, elles n'auront pas le droit de dépasser les 2000 amas, puisque le voisin n'a pas fait le hérouf. Cette tomate ne peut pas sortir en dehors du troum, du périmètre que lui a le droit de marcher. Ça, c'est le principe qu'on a vu dans toutes les missions précédentes, avec à présent une situation assez originale. C'est que cette fois-ci, Mishazimen Etzlo Orchim, celui qui a invité chez lui des invités, eh bien, Lo Yolichu Beyadam Manot, ils ne pourront pas prendre ensuite en partant les plats. Elaimken, Zikalahem, Manotehem, Me'erev Yom Tov, sauf si il a. Sauf si avant Yom Tov, j'ai déjà donné ses parts aux invités par l'intermédiaire d'une tierce personne. On explique, c'est le même principe donc selon le Hérouv. Moi, j'habite à Jérusalem, Ramoth. J'ai le droit de sortir à 2000 amas en dehors de Jérusalem, uniquement. J'ai une ville maintenant qui se trouve un petit peu plus loin, hein, qui s'appelle Har Shmuel, qui a 4000 amas. Avec un Hérouv, on a la possibilité de partir là-bas. Moi, je n'ai pas fait de Hérouv pour partir là-bas. Parce que moi, je veux partir au nord, je veux partir au sud. J'invite des invités à Shabbat, à Yom Tov, et ils mangent chez moi à la maison. Je les fais manger. Ils restent maintenant des plats, ils n'ont pas tout mangé. Je dis, ben prenez les restes, prenez, comme ça vous pourrez les manger là-bas quand vous allez rentrer chez vous à Har Shmuel, à 4000 amas. Il s'avère que maintenant, pour pouvoir partir à Har Shmuel, eux, ils peuvent partir, puisqu'ils ont fait le Hérouv. Ils ont le droit de faire les allers-retours entre Ramoth et... Mais malgré tout, ce qui m'appartient à moi pendant Yom Tov, n'a pas le droit de sortir là-bas. Donc même si je leur ai donné ce repas à manger, et qu'après il leur reste un bon bout de gâteau, je leur dis, prenez-le, partez, et bien ils ne pourront pas le prendre. D'accord ? Ouais, Elem Kenzikalem, Manotem, Erev Yom Tov, sauf si toutefois, avant Yom Tov, comme j'avais prévu qu'ils allaient venir, je me dis peut-être que quand ils vont leur repartir, ils vont vouloir prendre à manger avec eux pour la route, ils vont marcher pendant 20 minutes, une demi-heure. Donc ce que j'ai fait, ce que j'ai la possibilité que j'avais, c'est que j'appelle un voisin avant Yom Tov. Et je lui dis, tu sais, demain, je vais avoir le jeune couple qui habite là-bas, qui vont venir manger chez moi. Et quand ils vont leur repartir, ils vont sûrement vouloir prendre le bout de gâteau. Tiens, acquiert tout de suite le bout de gâteau pour que ça leur appartienne, puisque maintenant il va faire un acte d'acquisition sur le bout de gâteau, sur le plat, sur, enfin peu importe, il va faire un acte d'acquisition que maintenant, grâce par l'intermédiaire, la nourriture va leur appartenir à eux, qui sont en ce moment à Har Shmuel. Il s'avère que maintenant, puisqu'ils ont le droit de faire le Hérouv, leur nourriture, puisque maintenant ça leur part à eux, ça appartient à eux, ils pourront le prendre ensuite pour repartir chez eux à la maison. D'accord? Fin du premier sujet. Deuxième sujet. En mashkin veshochatin. Phrase un petit peu bizarre, le principe il est très simple, on va expliquer pourquoi la phrase a été bizarre, mais d'abord on va expliquer simplement. En mashkin veshuchatin et amidbariot, on ne pourra pas donner à boire puis faire la shrita aux midbariot, aux animaux qui sont dans le désert. Aval mashkin veshuchatin et abaitot, mais on pourra
donner à boire et faire la shrita aux animaux qui habitent à la maison. Mais, et la Mishnah d'expliquer, c'est quoi les Eloi Navaitot, quelles sont les maisons? Désolé. Eloi Navaitot, tels sont les Baitot, les animaux qui vivent à la maison. À la note Ba'ir, c'est les animaux qui dorment dans la ville. Tandis que le Midbariot, ceux qui dorment dans le désert, c'est à la note Ba'afar, c'est ceux qui dorment dans la campagne, dans les champs. On explique de quoi on parle, c'est très simple, c'est pas compliqué du tout. Le principe, Achab, Ayom Tov, d'abord, j'ai le droit de faire la shrita de mes troupeaux. Mais que mes troupeaux qui sont à disposition. Je connais pas la réalité concrètement comment ça fonctionne, mais apparemment, il y a des fois on envoie les troupeaux paître tout seuls en dehors de la ville. Je ne sais pas si elles sont assez autonomes pour pouvoir sortir, même en dehors du Troum, à partir à plus que 2000 lamas, à partir, elles n'ont pas peur, elles sont en groupe, peut-être qu'il y a des bons chiens de garde qui restent avec elles, elles reviennent là-bas et elles reviennent des fois dans la ville. Et comme ça, je laisse mon troupeau paître naturellement. Il y a une réalité pareille, car apparemment, c'est la Michelle qui parle de ça, quoi. Eh bien, la Michelle me dit, tu sais, à Yom Tov, t'as le droit, en deux mots, t'as le droit de faire la shrita que aux animaux qui sont chez toi, mais pas les animaux qui sont tout seuls dans la campagne en ce moment, si ça leur prend de rentrer, par exemple. D'un coup, tu voulais te faire un petit agneau, et finalement, il y en a eu, pendant Yom Tov, le petit matin, là, tu vois, t'es ton troupeau qui rentre à la maison. Et tu dis, oh, super, j'ai un petit agneau maintenant. Est-ce que je peux avoir la shrita? Ça m'appartient, il n'y a aucun problème. Oui, il y a un problème. Étant donné, c'est un problème de Moukté, c'est très simple. Étant donné qu'ils n'étaient pas dans la ville, mais ils étaient dans la campagne, et tu n'avais aucun moyen de partir les chercher, tu n'avais pas ça en dehors du Troum Shabbat. Donc en fait, ils étaient exclus dans ta tête, c'est exclu dans ta tête que tu vas les utiliser pendant Yom Tov. De ce fait, ils sont Moukté pour toi. Ça, c'est le principe qu'il y a écrit dans la Mishnah. Donc du coup, et comment est-ce qu'on décide de définir un animal? Parce que apparemment, même les animaux qui restent chez toi, dans ta ferme, chez toi, même des fois aussi, ça leur prend de sortir, c'est vrai. Mais malgré tout, ça leur prend de sortir, ils vont peut-être s'éloigner, mais ils rentrent toujours le soir pour aller dormir. Donc les animaux qui rentrent chez toi pour dormir la nuit, eux, même si en ce moment ils ne sont pas là à l'entrée de Yom Tov, ils ne sont pas encore rentrés, ils vont rentrer dans 2 heures, mais quoi qu'il arrive, ils vont finir par rentrer. Eux, tu as une intention de les consommer, tu pourras prendre de leur viande pendant Yom Tov. D'accord? Parce que même s'ils sont en ce moment dehors, ils sont prévus qu'ils vont re-rentrer, revenir. Tandis que les animaux, que des fois ils peuvent partir pendant 3, 4, 5 jours, ils restent en troupeau là-bas, puis après ils décident de revenir, ils sont exclus de ta tête de les consommer. Ça, c'est l'axiome de base. C'est la Mishnah essentiellement. Il y a une petite précision en plus, c'est que la Mishnah nous rapporte de leur donner à boire. Alors là, c'est compliqué, c'est un conseil technique en fait. Il faut savoir que avant d'égorger un animal, avant de faire la shrita, eh bien, ils avaient l'usage de leur donner à boire beaucoup d'eau. De manière à ce que dès qu'on va finir, dès qu'on va faire la shrita, qu'on va vouloir les dépecer, la peau elle s'enlève très facilement. S'ils ont bien bu, l'eau elle vient, elle se met entre la peau et apparemment ça fait que la peau elle se détache beaucoup plus facilement. J'avais même vu une fois que ceux qui font de la culture, là, de la musculation, comme ça, qui veulent permettre avec tous les muscles, ils prennent des comprimés spéciaux à base de sel justement pour absorber l'eau, comme ça fait encore plus ressortir les gros bras, les gros muscles. Parce que justement, l'eau, elle a la faculté de rentrer entre la peau et apparemment entre la peau et la chair, ça fait que ça se décolle plus. Donc avant la shrita, justement, on donnait à boire et la Mishnah, elle est venue juste au passage te dire, t'as pas le droit de faire la shrita ou t'as le droit de faire la shrita. La Mishnah, elle a exprimé ça en disant, t'as le droit de donner à boire et faire la shrita. Mais bien évidemment, ton animal qui revient pendant Yom Tov, même s'il était en dehors dans la campagne et qu'il a réellement soif, t'as le droit de lui donner à boire. Parce que étant donné qu'il est à ta charge, un animal qui est à ta charge, t'as le droit de lui donner à boire. Entre parenthèses, un animal qui n'est pas à ta charge. T'as pas le droit de lui donner ni à manger ni à boire, tu le laisses débrouiller tout seul. Bientôt, Parashat Béchalar, il y a les enfants qui reviennent du Gan et qui veulent donner des miettes aux pigeons pendant Shabbat, on n'a pas le droit de leur faire ça pendant Shabbat. Parce qu'ils ne sont pas à ta charge, t'as pas le droit de donner à manger à un animal qui n'est pas à ta charge pendant Shabbat. Ni Shabbat ni Yom Tov. Je reviens maintenant sur notre principe. Là, les animaux, on parle des animaux qui sont à ta charge, même s'ils sont dans la campagne. Ils reviennent, tu dois leur donner à boire. Là, quand il y a marqué, tu le feras pas boire. On a juste envie de te dire que tu n'as pas le droit malgré tout de leur faire la shrita. Et entre parenthèses, quand tu leur fais la shrita, tu lui donnes à boire, tu l'abreuves en grande quantité pour qu'il puisse, tu puisses lui dépecer la peau facilement une fois que tu auras fini la shrita. Et voilà. D'accord? C'est tout pour la Maseret Beitza. Adranalach Maseret Beitza. Adranalach Maseret Beitza. Adranalach Maseret Beitza. On se boit un petit coup de l'Echaïm, mais d'où d'abord on commence Maseret Rosh Hashanah. Arba'a Rashe Shanim Hem. Il y a 4 Rosh Hashanah dans l'année. C'est-à-dire 4 fois qu'on va dire que c'est le nouvel an.
Eh bien, il y a quatre bornes qui vont s'appeler le nouvel an en rapport avec l'halakhot spécial, comme ce qu'on verra dans le prochain cours. Pour le moment, c'est le moment de se réjouir que, bon, prochain, on a fini Maserhet Beitza. Dans pas longtemps, on va finir la moitié du chasse en Sdarim, puisqu'on a fait déjà tous les Ekim, tout Kochim. Et maintenant, il nous reste quoi? Il nous reste Rosh Hashanah, Ta'anit, Megillah, Moed Katan, Chagiga, et après, on a fini réellement. Une belle avancée, Baruch Hashem, c'est l'occasion de boire ensemble un petit lechaïm, un petit coup de vin pour la Simcha, et que Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite encore de continuer à avancer, et à tous les jours bien continuer, et finir Bezrat Hashem bientôt le chasse de Bishayot ensemble, et continuer à étudier encore plus, même pourquoi pas. Et voilà, lechaïm, tovim, ul shalom, mazal tov, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Baruch atah Gefen. Kol tuv sela.